aujourd'hui, beaucoup d'employeurs se plaignent de la pénurie de profils compétents. À côté de cela, nous nous retrouvons face à des jeunes qui n'ont pas de visibilité par rapport à leur choix d'avenir, aucune orientation professionnelle et surtout qui n'ont aucune idée des aptitudes nécessaires pour communiquer avec les employeurs, se présenter en entreprise et surtout les comportements à adopter en milieu professionnel. L'éducation, en effet, est indispensable pour trouver un travail qui permet de vivre dignement. Le passage des bancs de l'école au monde professionnel n'est pas toujours facile. Voilà pourquoi l'USAID et le ministère de tutelle ont conçu des centres spécialisés qui aiguillent les jeunes diplômés. En réponse au challenge de high youth unemployment in Morocco, particularly among educated youth, USAID teamed up with the Ministry of National Education to establish a career center program, jointly supported by USAID and by the government of Morocco. With this program, USAID and the government of Morocco established 6 career centers in Morocco. 3 career centers in universities and 3 career centers in vocational education institutes. These career centers were in Casablanca, in Marrakech, and in Tanger. Now, it's important to understand the purpose of these career centers. These career centers help youth, using their interests and their experience, identify their potential, identify where they might be appropriate for them to work in. These career centers prepares them for work with work readiness training. These career centers supply them with information on the market, real jobs in the Moroccan market. And finally, and very, very importantly, these career centers connect the youth with actual employment opportunities. It's also important to emphasize that these are 6 pilot career centers, only in 3 locations in Morocco. But this program established a virtual online platform so that youth throughout the country can access the services of these 6 career centers. Je suis allé au Career Center et ça m'a ouvert les yeux sur mon avenir professionnel. كنظن بأن هذه المبادرة ديال Career Center مبادرة لازمة على مستوى المجتمع المدني والتواصل مع الشباب والشابات. نقدر نشوف بأن كاين أمل في التغيير، كاين سبل تكسير الأدوار النمطية والستيريوتيب اللي كنعيشو بيهم في مجتمعنا، كاين سبيل المساواة الفعلية عن طريق التوعية والتواصل والحديث والنقاش مع الشباب والشابات. Je n'ai jamais eu un contact direct avec les entreprises, mais grâce au Career Center, maintenant j'y suis arrivée. J'ai l'énorme plaisir de me retrouver aujourd'hui avec le Career Center
pour développer en avantage des partenariats dans ce sens en vue de la recherche des profils bien pointus. Chaque année, notre entreprise accueille des stagiaires dans le cadre de la convention avec l'OFPT. Mais le fait de prendre des étudiants de l'ISTEA Hel Hassani était un plus, puisque ce sont des étudiants qui ont pu bénéficier des services du Centre Carrière Center. En matière de soft skills, ce sont des étudiants qui ont une capacité d'intégration très élevée, des compétences linguistiques aussi développées par rapport aux autres étudiants que nous avons reçus les années précédentes. Aujourd'hui, nos jeunes recrues sont systématiquement formées par le Carrière Center, ce qui a un impact positif sur eux d'abord, mais également sur leur niveau de professionnalisme. L'offre Najahi, conçue par le programme USAID Carrière Center, est arrivée à point nommé et répond à nos besoins et ceux du secteur privé. À l'OFPPT, nous avons intégré ces 24 modules dans les curricula de formation et les stagiaires de nos établissements bénéficient aujourd'hui de ces modules. Alors pour un jeune sorti d'école, parce qu'il y a plusieurs dimensions dans les soft skills, un jeune sorti d'école, ce qu'on recherche en entreprise, ce sont surtout le professionnalisme. Alors professionnalisme, ça intègre la rigueur, l'engagement, la motivation par rapport donc à son travail. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est vraiment la passion de ce qu'on fait au quotidien. On partait de zéro, mais on a suivi de nombreuses formations qui nous ont permis de devenir de vrais conseillers carrière. Maintenant, on est bien outillés pour accompagner et conseiller les jeunes. La formation George Mason m'a permis d'améliorer mes compétences au plan technique comme au plan personnel, de bien maîtriser les outils du Career Center liés aux conseils et aux ateliers de préparation et de recherche d'emploi. Satisfait de mon apport au Career Center, je suis motivé et plus dévoué pour poursuivre la mission du programme auprès de la jeunesse marocaine. Grâce à l'USAID, on a pu partir en study tour aux États-Unis pour voir les Career Centers américains. On a vu leurs meilleures pratiques pour les adapter à nos centres. Et nous avons constaté que le modèle marocain était sur la bonne voie. قررنا باش نفتحوا واحد المجموعه ديال القاعات اونتين ديال كارير سنتر اللي تتقوم بنفس الدور باش نقربوا هذه الخدمه ديال مساعده الطلبه في التشغيل. La réussite de ce pilote a encouragé l'OFPPT à s'engager sur l'ouverture de d'autres career centers au niveau de d'autres établissements. Il y aurait l'ouverture prochaine d'un autre centre de carrière au niveau de Créa et un autre à Tétouan. Bonjour, je suis Karima Arzouani, enseignante universitaire à l'Université Mohamed V de Rabat. Je dirige également le Centre universitaire de l'entrepreneuriat. Et je me réjouis, ainsi que toute l'université, de l'ouverture prochaine d'un Career Center au niveau de l'université.
Dans le programme du USAID Career Center, j'ai suivi une formation dans laquelle j'ai développé des compétences transversales grâce auxquelles je me sens prêt pour gérer un Career Center dans mon institution AFES. Dans le chapitre 2.1, les activités du Career Center, dans le chapitre 3.1, développement d'activités complémentaires, et également dans le chapitre 3.2, engagement du secteur privé. Dans le cadre de ce module, je vous invite à lire le chapitre. متعددة الأقطاب والتخصصات بكل جهة من جهات المملكة. وهذه البنية الجديدة يا مولاي ستشتغل وفق مبدأ التعاضد وترشيد الموارد المشتركة المتوفرة ولا سيما المصطلحات الرقمية لبلاتفورم نيميريك ومراكز اللغات ومراكز تأهيل المهن لكارير سنتر والمكتبات الوسائطية. And I'm very happy to say that the government of Morocco is leading the effort to introduce career centers in every region of the country. Already, several universities have introduced their own career centers on their own campuses, and the career center model has been incorporated into the roadmap for vocational education in 2019. These efforts are being led by the government of Morocco based on the pilot project between USAID and the government. So what we're seeing is the government expanding the career center model in every region in Morocco to enable youth in every region in Morocco to be able to access the valuable services that the Career Center provides them to ensure that they are able to secure decent employment, well-paid employment, regular employment here in the wonderful country of Morocco. And USAID, as part of and on behalf of the US Embassy here in Morocco, is very, very proud to be a partner of the Ministry of National Education and a partner more generally of the government of Morocco in this effort to address the challenge of youth unemployment in Morocco.